Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Eh bien salut tout le monde, c'est Isaac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Far Cry 4. On se retrouve devant le point de Nour, donc à 40 mètres. Comme je vous avais dit, je reprends la mission principale puisque la dernière fois j'étais parti pour une mission, on peut dire secondaire. J'étais parti pour deux missions de Longinus. Et là cette fois-ci on va voir ce que va donc nous dire Nour, qu'on avait déjà vu il y a peut-être 2-3 vidéos de ça. En avant. Non. Est-ce que je peux passer comme ça? Oui. Ok. Alors. J'espère qu'on va pas refaire d'arène. Les animaux, enfin, il sera utile. Tu dois tuer Paul. Tu dois le faire maintenant. Il rentre chez lui. Tu ramènes ma famille et je te les donne tous. Yuma, Pagan, je t'offre leur tête. Tout va bien. Non, voilà. Ça ne va pas. Il tient ma famille. Ça ne va pas du tout. Il faut que tu les sauves. Paul va donner une énorme fête d'adieu en son honneur chez lui. Il sera vulnérable. Il aime faire venir sa viande d'un village pas loin. C'est comme ça que tu entreras. Quand tu seras là-bas, faufile-toi dans la salle d'interrogatoire. Il sera moins sur ses gardes. Ok. Cité de la douleur. 3000 mètres, waouh. Et là, ça risque de picoter un petit peu. 3000 mètres, c'est où? Elle est où sa cité? Non, ça c'est la forteresse de Nord. Ok. Faut que j'aille ici. C'est bien là? Oui. Objectif en cours. Infiltrer l'entrepôt. Donc on va partir là. Comme ça, ça va faire gagner du temps. Petit déplacement rapide. Alors. Voilà. Là, je suis plus qu'à 380 mètres. J'ai gagné pas mal de temps. Il n'y a pas de véhicule par là? Non. Je vais pas me faire tout ça à pied. Bon. Ouais, de toute façon, ça va vite. Bon, lui, ça sert à rien, j'ai rien. Ceci est un appel d'urgence à tous les guerriers dans le secteur. Notre avant-poste est attaqué par l'armée royale. Bon. On a besoin de tout le renfort possible. Venez vite! Ça m'embête, mais bon. On va quand même y aller. Éliminer et repousser les forces d'assaut. Où la grande? Dégagez! Je vais te massacrer! Continuez de tirer! Voilà. Voilà. Apparemment, il y a une grenade qui a été lancée. Ah bah il se tire. Ok. Bon bah nickel. J'aurais peut-être dû prendre le mortier. Bon, du coup je retourne à ma petite mission là.
Pourquoi ça me lance ça comme ça? Ça me fait peur. Bon. Ouais, je sais pas pourquoi, sans aucune raison, ça se lance. Oh, le petit éléphant, je sens que tu vas venir avec moi, toi. Ouais, mais peut-être qu'il faut pas que je fasse fou non plus. Hein. Avec un éléphant, ça risque d'être peut-être compliqué de s'infiltrer. Hey Jay, tu as trouvé ma famille? Pas encore, mais j'y arriverai bientôt. Oh, d'accord. Écoute, tu dois entrer discrètement. C'est important. Paul est un rat et les rats quittent toujours un navire qui coule. Il ne doit se douter de rien jusqu'à la fin. Et n'oublie pas, AJ. Il donne une fête, alors trouve où il prend ses victimes et infiltre-toi avec eux. Ouh là là. Ça risque d'être chaud là. Très très chaud. Peut-être en passant par le dessus. Mais comment ils veulent que j'aille là-bas? Là, j'aimerais bien savoir. Discrètement dans le camion. Je suis sûr que j'ai entendu quelque chose. Ouh. J'ai eu chaud. Ça balle. Je vais m'occuper de Paul. Prends-le vivant si tu peux, mon frère. Je veux qu'il paie pour ce qu'il a fait aux pirates. En fait, beaucoup de gens disparaissent dans les villages du coin. Alors si tu trouves des survivants, aide-les à s'enfuir. Mais fais-le discrètement. Libérer les esclaves. Ouh, il y a du monde. Non, je peux pas passer par là. Peu chaud, c'est qu'il y a un petit peu beaucoup de monde. Et moi je suis con puisque du coup j'aurais dû le buter direct plutôt d'essayer de me cacher parce que du coup il a pu donner l'alerte. Ah d'accord, les premiers que je dois libérer ça va être... Donc là j'en ai 3. 3 libérés. Enfin, 3 tués. Bon, ça leur dit pas de se tirer. Pas bouger hein.
Je vais peut-être utiliser le snipe. Le problème, c'est que ça va les mettre en alerte. Allez, approche. Allez, allez, allez. Il est caché là le corps. Essayer de le cacher encore mieux du coup. J'ai mis où? Ah d'accord. Non. Bon, on va le cacher ici. Alors. Je sens que, en tout cas, cette mission va prendre du temps. Allez, viens par ici, mon petit. Se dépêcher de cacher les corps avant de se faire repérer. Voilà. Allez hop, on le met ça. Ils ont pas fait un truc bizarre là, les gardes? Je crois que je peux pas passer par là. Ok, quelques munes. Ils tapent des délires, je crois, les gardes. Je vais essayer d'en ramener un. Allez, pas les deux par contre, ça serait bien. Je pensais pas qu'il y aurait eu un mec ici. Bon. C'est
Le bordel, je sens que je vais galérer. Et si j'ai but comme ça? Voilà. Voilà. Cette fois-ci, j'étais un petit peu énervé. Mais par contre, je sais pas comment lui. Lui, il est sorti de je ne sais d'où. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment discret de chez discret. Hein. Je crois que cette mission va me prendre un peu beaucoup de temps. Ouh. Oh là 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 là. Bon. J'enchaîne face sur face. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Faut vraiment que ouais, j'ai tué un par un à chaque fois. Et vraiment pas me faire remarquer. Mais lui, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi près. Ok, ils n'ont pas été alertés, visiblement. On va aller cacher les corps. Je vais balancer là. Celui qu'il faut que je cache le plus, ça va être celui-ci. Est-ce que je vais y arriver cette fois-ci? Hop. On va reprendre quelques mines. Je me suis fait repérer. Je crois que je me suis fait cibler à un moment. J'ai peut-être rêvé. Il y a un garde qui vient de passer. Fouh. À deux doigts, je me faisais remarquer. Alors par contre, est-ce qu'ils vont pas me remarquer quand je vais prendre le garde ? Non, c'est bon.
J'ai eu chaud là. Putain, c'est long à porter un garde en plus. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai libéré pour le moment 0 esclave sur 3. Donc je suis encore un petit peu loin. Là, je suis en train de faire un tas de fous. Allez hop! Par contre, il me reste du coup les deux lascars. Pas y aller hein. Pourquoi il me cible pas voilà. Je suis ici pour assurer la vie. Non, ils veulent pas y aller ceux-là. En fait, ils veulent pas bouger du tout de leur poste. J'ai envie de tirer mais mais non mais il m'a même pas vu le mec. Oh, je suis dégoûté là. Là je suis clairement dégoûté. Où là? C'est quoi ce bordel? Du chaos! Coupez-moi! On va les défoncer. Oh non. Oh. Hey, il est en bas. Ouah, mais c'est vraiment chaud. Je crois qu'au final, je vais pas essayer de les shooter les mecs, parce que là, je vais jamais y arriver sinon. Alors, attendez. Ça commence à être un petit peu tendu. Essayer de libérer ces esclaves. Ok, c'est un peu chaud. Gueule, espèce de fumier. Mais non.
suis vraiment dégoûté. Je suis vraiment dégoûté, mais putain, mais d'où il... C'est quoi ce bordel? Et... Je crois que je vais jamais y arriver. Et j'ai envie de tuer tout le monde. Mais tu déconnes devant les clients. T'auras ce que tu mérites. On dit jamais non. Ok. Bah j'y suis bien arrivé. Ouh. Il m'a fallu en tout cas bien 15 minutes. Merde. J'y étais presque. Est-ce que ça va me compter que j'ai déjà libéré des otages ou non? J'ai envie de craquer. Putain. Oui. Ok, il me reste donc que deux. Mais non. Je sors à peine que je me fais remarquer. Calme-toi. Sors de là. C'est fini, t'es cerné. Là, c'est là-haut. Bon, de toute façon, bon là, c'était le caput. Ça m'embête parce que du coup, je sors à peine du truc, je me fais. C'est plutôt tendu. Autant il y a des missions, ça passe vraiment trop tranquille. Autant celle-là. Par là. Ok. Allez, partez d'ici et surtout planquez-vous. Ouh. Bah lui, il est libéré. Par contre, le dernier. Je crois que là ça va être tendu. On va pouvoir continuer encore longtemps. Et je crois que eux ils sont pas décidés à. J'en ai entendu des trucs bizarres. Est-ce que ça va passer comme ça?
Je savais pas qu'un être humain pouvait faire ce bruit-là. Un des types a regardé dans la pièce, et il s'est chié la paix dessus. Je lui avais dit pourtant. Je vais essayer de passer. On fait crever pas mal de monde avec toutes ces têtes. Avec celle d'aujourd'hui, j'ai peur qu'on commence sérieusement à manquer. Peu importe combien on en bute, il y a toujours des arrivages de nouveaux prisonniers. On va pouvoir continuer encore longtemps. Là, je suis bloqué. J'en ai entendu des trucs bizarres. Hier soir. J'avais pas qu'à Je suis bien parti, fais pas le con. Oh, pas timide. Fais voir ton cul. Si tu veux ta... Ah ! Allez ! Assiste le secteur ! Filez, allez, allez, go ! Vous êtes libre ! Mais par contre... Ça balle ! J'ai libéré des gens. Bien. Chaque personne sauvée est un nouveau soldat pour la cause, mon frère. Mais finis ce que t'es venu faire. Entrer dans le bureau. De pleurs. Sauf que là, je suis un petit peu dans la merde vu que les cartes sont... me cherchent. On bouge vite. Allez, allez, allez. Ils vont peut-être se barrer. Couvrez-moi, je vais monter. Ah merde. Tu t'en sortiras pas. Allez, allez. Il y a pas un qui veut rentrer là. Ils savent pas où je suis réellement. Surtout restez bien attentifs, je vais grimper. J'ai entendu des cris chez le voisin. Mais qu'est-ce que... Gratitude. Y'a quelqu'un. Pour pas gagner. Cherchez bien. Celui qui a fait ça peut pas être bien loin. Ouais. Ok. Lâchez pas la pression. Ouh putain. Mais j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un là. Bon, c'est pas plus mal parce que bon, là je galère vu qu'ils sont tous en alerte. Mais ouais, vraiment trop chaud. Ça balle. J'ai libéré des gens. Bien. Chaque personne sauvée est un nouveau soldat pour la cause, mon frère. Mais finis ce que t'es venu faire. Donc, on a combien de mètres? Non, vraiment pas en parler. D'accord? Si je passe par là, ça va faire quoi? Nickel pour le tuer.
Mais non. Putain, le hasard, je balance le corps là-bas. Ça devrait suffire. Cochon. Ah merde. Bon. Alors, on va y arriver. Je vais essayer peut-être pas. Merde, putain. Je suis pas doué. Non, je peux pas rentrer par là aussi. Je pensais. Ah. Ok, par là. Ok. Partout. Je sens que ça va être bordel. Je vais t'aider. Allez, va-t'en. Psychopathe. Hein. Non, je comprends. Chérie, je comprends, mais je ne peux pas. Je suis en train d'arriver à une réunion et je... D'accord. Non, ça va. Ça va, allez, passe-la-moi. Oui. Je suis à toi tout de suite. Salut, Ashley! Vraiment? Oh, mais c'est génial! C'est bien, tu vas bientôt aller te coucher, ma chérie? Tu t'es brossé les dents pendant au moins 10 secondes? C'est bien, ma fille. Tu feras un gros bisou à ta maman pour moi? Tu sais qu'elle se sent seule quand je ne suis pas là. Et c'est toi la maîtresse de maison. Bien sûr, mais papa doit aller travailler et... Un cadeau? Bien sûr, Trésor, qu'est-ce que tu veux? Une bague? Oh non, je n'ai rien vu de vraiment bien pour toi, ma chérie. Désolée, tu veux pas autre chose? Un collier. Oh, un collier en or. Eh bien, tu sais, je vois exactement ce qu'il te faut. Oui, bien sûr qu'il brille. Bon, écoute, papa doit travailler, d'accord? Alors je vais y aller. Oui, je t'aime aussi. Oui, bisous, dors bien et fais de beaux rêves. Bisous, ma puce. Je m'excuse pour tout ça. Ma fille, t'es venue à l'heure et moi, je t'ai fait attendre. Je ne voulais pas te manquer de respect. Toi. Trouver le bureau de... Portée de pleurs à l'extérieur. Transportée de pleurs jusqu'à un véhicule. Putain, alors j'ai déjà galéré pour
pour arriver jusqu'à là et en plus ils veulent que... Je vais galérer. Oh, je peux pas passer par là. Je peux pas passer. Non, je pensais que j'aurais pu peut-être essayer de trouver un chemin, mais non. C'est-à-dire que je vais être obligé de me frayer un chemin. Par là. Quoi ? L'alarme elle a sonné comme ça. J'ai besoin de boire un coup. Tenez la position! Je dois m'asseoir un peu. Toi, tu ne fais pas peur. Hey! On bouge! Allez! Vite! On s'en occupe! Ouvrez-moi, je descends. Ok. Est-ce que je vais... C'est pas bon. Oh non. Voilà quelques munes. Ok, on y va, on y va, on y va. Ne reculez pas! En arrière! Repliez-vous! Entre et on t'achèvera vite fait! Fouf, je galère. Alors, on va pas plaquer. Voilà. Tiens, je vais recharger. Allez, on y va, on continue. Allez, 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 allez. Ça va faire mal. Il joue, lui. Allez, allez. On va
Voilà. Allez, 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 dépêche-toi. Nour te passe le bonjour. Ok. Oh putain. Merde, je suis poursuivi. Voiture, j'arrive pas à la semer. Hein. Oula, petit chargement. Il est vivant. Si tu l'avais tué, je t'en aurais pas voulu. Ouais, je suis en vie, bouffeur de curry de merde. Montrez-lui son nouveau chez lui. Qui a fait ça? Oh, putain de sauvage! Laissez-moi! Attendez, c'est mon téléphone! AJ, c'est mon téléphone dans ma poche arrière! J'ai besoin de mon téléphone, mec! AJ, s'il te plaît! S'il te plaît, j'ai besoin de mon téléphone! Lâchez-moi, bande d'enculeur de singe! Ashley! Ashley, chérie, papa est là! Merci, AJ. T'as vraiment fait le bon choix. On va s'occuper de Paul. On a un coin parfait pour lui. Ok. Fouh. Voilà, mission terminée. AJ, maintenant que Paul n'est plus là, sa forteresse de Varshakot est vulnérable. Si j'étais toi, mon frère, je profiterais de la situation. Bah, je pense que ça sera le mieux hein, d'aller démonter cette forteresse. Et où d'ailleurs c'est laquelle? Non, ça c'est celle de Nour. Ouais, bah, c'est celle-ci. Donc, prochaine fois, bah, je vais buter cette forteresse et me faire plaisir du coup. Voilà, la forteresse de Doppler est affaiblie. Donc ça peut être plutôt sympa tout ça. Et après, prochain point, c'est quoi? Lancez-vous dans une mission de campagne pour le Sentier d'Or. D'accord, ça sera ceci. Là, je sais pas du coup pour qui sera donc la mission. Bah écoutez, une petite vidéo où j'ai pas mal galéré qui aura duré un petit moment je pense. Pas mal de galères, je sais pas si je vais couper les scènes de galère dans la forteresse. Je vais voir. J'étais en Amérique il n'y a pas si longtemps. Je pensais à Ishwari, mais je n'ai pas eu le courage d'aller la voir, pas après toutes ces années. On regrette toujours ses décisions quand il meurt, pas vrai? Quoi qu'il en soit, j'étais là avec Doppler, ou plutôt Paul Harmon. Il m'a invité à son domicile, à rencontrer sa famille, à voir l'autre côté. C'était incroyable de voir l'homme derrière l'homme, Paul le père, le mari aimant. J'étais aussi jaloux qu'heureux pour lui. Nous sommes allés à l'école de sa fille pour voir un récital. Il y avait sa petite chérie, Ashley, la lumière de sa vie. Et je pouvais voir les larmes dans ses yeux. Il était si fier, si plein d'amour. Ça m'a vraiment fait réfléchir. Et si j'avais suivi Ishwari? Et si c'était toi, trébuchant maladroitement sur un récital de piano, que j'avais regardé les larmes aux yeux à travers un caméscope pour capturer chaque précieux petit moment? On découvre ça lorsqu'il est trop tard, et Jay, toujours, quand ils sont partis. Ok, bon.
maintenant que Pagamine a fini. Donc ouais, j'ai galéré au niveau de la forteresse. Peut-être que je vais faire quelques coupures pour raccourcir ces petits moments. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, malgré qu'elle ait duré. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir un petit peu plus de vidéos par la suite. Et on se retrouvera donc pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde.